Excellent tout le monde. Passons maintenant à la partie 3. La section 3 commence avec les jambes qui se balancent un petit peu plus larges de droite à gauche. Donc, commençons à transférer notre poids simplement de chaque côté. Excellent. Avec ces jambes, il y a aussi des bras. Donc, le mouvement d'épaule se passe vers l'intérieur, vers le plancher. Essayons de mettre les deux ensemble. Transfert, transfert, transfert. Yes, super. Très bien, tout le monde. Alors, nous commençons ainsi, les deux pieds étaient ensemble. Je vais venir ouvrir ma jambe droite avec mon épaule droite vers l'intérieur. On y va pour 1, je refais de l'autre côté pour 2. Mes jambes vont continuer à faire le même mouvement, mais cette fois-ci, je veux tirer vers le plafond comme si j'allais toucher le ciel. Je peinture un grand mur avec mon bras 3 et je refais de l'autre côté et 4. Oui, faisons simplement ça avec les jambes et les bras. Je transfère pour épaule droite, épaule gauche, plafond tire en haut et en haut de l'autre côté. Excellent. Par la suite, j'amène encore une fois ma jambe droite à côté de la jambe gauche et je vais venir m'entourer comme un gros câlin autour de moi, très, très, très tourné vers le mur, vers l'arrière. À 6, et cette fois-ci, oh, j'essaie de me défaire très fort, 7, oh, mais je ne suis pas capable, je reviens. Et je tire un gros ballon de basket vers la droite. Ouvre. Encore cette section. Donc, nous avions terminé de tirer vers le ciel, bras droit, puis bras gauche. Mon gros câlin, torsion vers l'arrière, tire. Je reviens, résiste. Ouh. Ballon de basket, 7. Excellent. Essayons les deux parties ensemble. Donc, avec mes jambes qui ouvrent de chaque côté. Je prends mon épaule droite vers l'intérieur pour droite et gauche, j'allonge, plafond, tire très haut, tire, câlin, torsion, tourne, résiste, ballon 7. Et en revenant, je vais relâcher mon ballon et en même temps de relâcher, je prends une grande inspiration avec mes yeux qui se lèvent vers le plafond à 8. On enchaîne toute cette partie ensemble encore une fois. Les jambes qui transfèrent et mon épaule droite qui commence vers l'intérieur. J'y vais pour droite et gauche. En haut, très haut, 3. L'autre côté, 4. Torsion, 5. Résiste, 6. Ballon, 7. Inspire, 8. Super, tout le monde. Par la suite, après ma grande inspiration, je vais venir prendre un pas avec ma jambe gauche vers le coin. Donc, mon pas va faire gauche et j'amène ma droite par la suite. Mes bras sont comme des vagues. Ils veulent s'en venir vers le mur avec moi. Et je vais venir résister en plus de tout ça avec mon dos chou, qui recule vers l'arrière et qui pousse très, très fort. Donc, je tire et je pousse en même temps. Droite, je refais la même chose de l'autre côté. Droite, gauche, pousse. Je refais une autre fois vers la gauche. On pousse une fois et j'y retourne pour une dernière fois, mais encore plus loin, le plus que je peux, très, très, très fort avec mon dos qui recule vers l'arrière. Et je vais même venir ajouter un petit peu de tête qui regarde vers l'intérieur. Enchaînons tout ça. Donc, nous avions terminé avec notre grande respiration vers le plafond. Pour 8, je m'en vais vers la gauche pour. Droite, gauche, pousse. L'autre côté, pousse. Refais, gauche, droite et repousse une dernière fois très, très loin la tête qui entre. Ouais, excellent. Essayons maintenant de la partie 1 de cette section. Enchaîner avec la torsion et puis ensuite les pouces vers les murs. On y va pour droite, gauche, tire en haut, torsion pour 5 et 6, ballon de basket, 7, inspire et gauche, droite, gauche et pousse, tête. Excellent tout le monde. Lorsque vous faites l'épaule vers l'intérieur, assurez-vous encore une fois que ça part bien vers le dos et c'est vraiment un coup d'épaule vers le plancher et le bras suivra par la suite. Versus celui qui va vers le plafond, je veux vraiment m'assurer de tirer le plus haut que je peux et je dois m'assurer d'ouvrir mes doigts comme si j'avais de la peinture sur chacun d'eux et que je veux m'assurer de faire un grand arc-en-ciel. Excellent. Poursuivons. Nous avions terminé avec notre contraction. Je relâche mon bras droit, zoom, très fort vers le plafond. C'est comme un élastique qu'on relâche très fort et je refais de l'autre côté. Je ramène vers mon visage en reculant. 7. Et là, c'est comme si je recevais un gros coup de poing dans le ventre. Ha!
très saccadé, je vais ouvrir vers le plancher. Donc, j'avais mes deux mains devant mon visage et un coup de poing très, très fort avec mes doigts bien ouverts. Excellent. Donc, nous avions terminé avec la contraction ici vers le coin. Je relâche mon bras droit, zoup pour un. L'autre côté, ramène en face et coup de poing. Excellent, tout le monde. Essayons maintenant du début, donc ça fait beaucoup. Allons-y lentement ensemble. Je pars avec mon épaule droite pour droite et gauche, tire plafond et 4. Je twist 5 et 6. Ballon 7. Inspire, pousse gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite et pousse. Bras droit, gauche, visage, chou, à 8. Très bien. Et cette partie-ci, nous la refaisons une deuxième fois. Donc, nous avons terminé dans notre grand mouvement, les bras bien ouverts, et je replonge avec mon épaule droite vers la gauche. Je plonge pour droite et gauche, plafond 3, 4, je twist 5, oups 6, ballon 7, inspire 8 vers la gauche, gauche, droite très fort, je résiste, gauche, la tête. Et bras, ramène visage en bas. Excellent tout le monde. Maintenant, essayons cette partie avec la musique. Et épaule, tire, torsion. Bras, basket, inspire, gauche, droite, expire. Pousse, repousse, lance droite, gauche, visage, encore, et épaule, épaule, hop, 4, tire, 5, 6, 7, 8, 2, et 3, ramène, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent tout le monde, bravo!